Bienvenue sur la VDC, la voix de la démocratie congolaise, la radio-télé du peuple Panorama d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Clotilde. Elle fut ministre de l'Assurance maladie universelle du gouvernement de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Bonjour madame. Très heureux de vous recevoir. Merci. Madame, dans votre intervention, vous dites que la lutte du président Laurent Gbagbo est une lutte non seulement de la Côte d'Ivoire, mais celle de l'Afrique tout entière. Et si tel est le cas, avez-vous demandé aux leaders africains qui luttent comme lui contre les néocolonialismes de vous épauler un peu dans les démarches de la sortie de Laurent Gbagbo à la CPI? Merci beaucoup. Oui, effectivement, le combat de Laurent Gbagbo transcende les limites géographiques de la Côte d'Ivoire. Et c'est un combat pour la souveraineté des États africains, parce que nous savons tous que les pays africains, surtout les pays de l'espace francophone, ne sont pas véritablement indépendants, puisque la France a une mainmise encore très importante sur ces pays-là. Et Laurent Gbagbo, il se battait justement pour que ces pays africains soient indépendants, totalement indépendants, libres de leur destin, libres d'entreprendre ce qui est bien pour les intérêts de leurs différents peuples. Et aujourd'hui, je sais que des initiatives sont prises en direction des chefs d'État africains pour que la situation de Laurent Gbagbo soit examinée sérieusement par ces chefs d'État africains. Parce que comme dit un proverbe de chez nous, quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Parce que ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo peut arriver à d'autres. Donc les chefs d'État africains sont, je pense, sont suffisamment sensibilisés pour que la cause de Laurent Gbagbo soit entendue. Et je me rappelle très bien qu'au mois d'octobre dernier, octobre ou novembre, je ne sais plus trop bien, mais c'était l'année dernière en tout cas, en 2013, pour les chefs d'État africains réunis au sein de l'Union africaine, il était question d'examiner s'il fallait sortir de la CPI ou pas. Et à la fin, ils ont décidé de continuer d'être avec la CPI, mais tout en interpellant la communauté internationale sur le fait que la CPI existe. On a l'impression que la CPI existe, et c'est vrai, existe uniquement que pour les chefs d'État africains. Et ce n'est pas juste, parce qu'il ne doit pas avoir une justice internationale uniquement dirigée contre les chefs d'État africains. Est-ce qu'il y a un ou deux présidents africains que vous pouvez citer les noms qui sont vraiment engagés à la démarche? Mais je ne peux pas citer des noms, mais on a vu dans certains journaux, il y a eu des interviews de certains chefs d'État africains, notamment le chef d'État de la Guinée équatoriale, par exemple, qui a fait une interview qui est paru dans un journal et qui disait que le sort qui est fait à Laurent Gbagbo, je résume, hein, le sort qui est fait à Laurent Gbagbo est une injustice. Merci madame. Nous avons vu aussi un des avocats du président Laurent Gbagbo a dit, je cite, Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec Ouattara, ni avec la Côte d'Ivoire, mais avec la nobleuse communauté internationale, nommément la France et Sarkozy en particulier. Êtes-vous du même avis? Oui, moi je suis du même avis. Je suis du même avis, tant entendu que Laurent Gbagbo est considéré un peu comme le vilain petit canard du conte. C'est Laurent Gbagbo, c'est la personnalité qui lutte contre la France-Afrique. Par ses positions, par sa politique, par son programme de gouvernement, il est en déphasage total avec la France-Afrique. Or, les tenants de la France-Afrique, c'est la France, plus les autres chefs d'État africains de cette nébuleuse-là qu'on appelle la France-Afrique, et qui ne sont pas d'accord avec les choix de Laurent Gbagbo. Donc, c'est cette communauté internationale, cette nébuleuse qui est la France-Afrique, qui a sorti Laurent Gbagbo du géopolitique et qui est venu installer à coup de bombe M. Alassane Ouattara.
C'est pour cela que moi je dis que tout compte fait, si on veut bien voir, c'est pas tellement contre Alassane Ouattara qu'il faut mener le combat, mais c'est contre la France-Afrique et contre la France qui est la locomotive de cette France-Afrique-là. Nous avons suivi aussi votre intervention. Vous êtes, si je comprends, vous étiez là les jours de l'arrestation du président Laurent Gbagbo avec d'autres ministres. Mais on a appris qu'il y a beaucoup de ministres qui sont arrêtés là-bas, qui sont devenus des prisonniers politiques. Mais comment vous vous retrouvez ici? Oui, moi je n'étais pas à la résidence du président quand il y a eu l'arrestation du président. J'allais à la résidence du président, je venais de mon village et j'allais directement à la résidence où il y avait d'autres ministres qui attendaient. Et moi je partais les retrouver pour rester avec le président, pour lui tenir chaud par rapport à ce qui lui arrivait. Et heureusement ou malheureusement, c'est selon, quand je suis arrivée à l'entrée d'Abidjan, à Yopougon, au corridor de GESCO, les militaires qui étaient là m'ont dit: madame le ministre, vous ne pouvez pas continuer jusqu'à Cocody parce qu'il y a les combats au niveau d'Adjamé, au niveau du sanctuaire marial. Donc vous devez soit rebrousser chemin ou rentrer dans Yopougon. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Yopougon et les combats n'ont jamais cessé. Je n'ai pas pu entrer chez moi ni aller chez le président. Je suis passée par des chemins de forêt, dans la forêt, traverser la lagune et tout ça. Et je me suis retrouvée au Ghana et du Ghana, j'ai continué ici. Merci beaucoup madame, un mot de la fin pour les gens qui vous suivent. Ben, je vous remercie, votre organe de presse pour cette interview. Et chaque fois qu'on nous donne la possibilité de parler de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, nous sommes toujours partants. Et je vous remercie pour ce combat que vous menez aussi à votre niveau, parce que vous les journalistes, vous êtes nos porte-voix. Sans vous, nous ne pouvons rien faire, notre message ne peut pas passer, notre combat ne peut pas prospérer. Merci pour votre engagement. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui la ministre de l'assurance maladie universelle du gouvernement de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Merci, restez toujours branchés sur notre site qui est votre site www.lavdc.com. Vous ne serez pas dessus. Merci et à la prochaine. Merci. Nous sommes ici avec Madame Jacqueline Chamois. Elle est la maman de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Nous voulons savoir votre point de vue sur ce qui se dit dans les médias. Vous avez vécu ensemble quand même avec Laurent Gbagbo sur le même toit conjugal. On lui traite d'être... un type violent, violeur, irresponsable, de tous les mots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la personne de Laurent Gbagbo? Ce que je peux dire déjà, c'est que c'est une campagne. Une campagne infamante qui vise à le dénigrer aux yeux de l'opinion française et internationale. Je dis française parce que c'est une campagne qui a démarré en France, en fait. Sous le gouvernement de la présidence de Chirac, et bon, qui correspond, c'est exactement l'inverse de la réalité, puisque Laurent Gbagbo est un humaniste, c'est un démocrate. En aucun cas, il voudrait toucher un cheveu de son peuple. Il est très attaché au peuple ivoirien. Est-ce que madame, vous pouvez nous le sort, parlant de l'armée, de votre fils Michel? Il a été arrêté. Il est son état de santé. Michel a été remis en liberté provisoire en août 2013. Maintenant, il va bien. Il a pu tout récemment reprendre son travail. Mais la difficulté, c'est que on l'empêche de venir en France alors qu'il est franco-ivoirien, et on l'empêche de venir en France parce que s'il venait ici, il pourrait témoigner dans le cadre de la plainte qu'il a déposée contre Guillaume Soro et contre une dizaine de comzones pour enlèvement, séquestration et traitement inhumain et dégradé. Donc à deux reprises, les autorités ivoiriennes l'ont empêché de venir. La première fois, ils l'ont empêché simplement de tempérer. Et la deuxième fois,
Il a voulu partir et il a été emprisonné pendant 3 jours. On ne savait même pas où il était. D'ailleurs, certaines personnes ont déposé une demande de recherche à l'ambassade de France, parce que bon, on ne savait pas où il était. Finalement, ils l'ont libéré. Le but de cet emprisonnement de quelques jours, c'était de l'empêcher de venir témoigner en France. Vous avez parlé de l'association des amis de Laurent Gbagbo, dont vous êtes la fondatrice, j'espère. Quelle est la motivation? Alors la motivation, c'est d'élargir le soutien à Laurent Gbagbo, pour que ce soutien ne vienne pas seulement de ses proches, partisans, mouvements politiques très proches, mais vienne très largement des personnes qui, pour des raisons diverses, politiques ou pas politiques d'ailleurs, veulent le défendre, et pas seulement en France, mais à l'étranger. C'est une association qui se veut transnationale. Si Laurent Gbagbo a quel est le message que vous pouvez lui faire? Vous voulez dire si maintenant il entendait ce qu'on dit? Oui. Oh, mais je pense que Laurent Gbagbo sera certainement heureux de voir que tant d'Ivoiriens sont prêts à le défendre, et même ont ça dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas de vivre en Côte d'Ivoire alors que le président Gbagbo est en prison, de manière tout à fait injuste et injustifiée. Donc je pense qu'effectivement, il est en plein avec nous comme nous on est avec lui. Vous avez un message, un mot de la fin pour les gens qui vont vous suivre? En fait, ce que je souhaiterais, c'est que c'est vraiment la dimension transnationale. C'est-à-dire que ça a été un peu dit tout à l'heure pendant l'intervention par Mme Oguchi, à savoir que les Ivoiriens répondent aux demandes de solidarité des autres peuples africains qui eux-mêmes donnent leur solidarité pour la défense de Laurent Gbagbo, ce côté international, transnational qui me paraît indispensable, parce qu'il ne faut pas que le peuple ivoirien soit isolé dans cette affaire. Est-ce que vous avez un message pour la communauté internationale? Je pense que la communauté internationale est quelque chose qui existe. Moi, je ne connais pas, on l'appelle comme ça. C'est quoi? C'est la France, l'Angleterre, la Belgique. Bon, c'est quelques pays. Je rappelle que les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas signataires de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Oh, c'était pour vous, madame Jacqueline Chamoin. Elle est la maman de Michel Gbagbo, le fils, la première épouse de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et la maman de Michel Gbagbo. Je vous remercie. Conférence que vous avez organisée concernant l'ancien président Laurent Gbagbo, qui est le président de votre famille. Quel est le sentiment après le... Du point de vue de ce combat, c'est une tristesse du fait que notre président se trouve où il se trouve. Celui-là même qui a posé, celui-là même qui a mis toute sa vie pour la démocratie, celui-là même qui n'a jamais voulu la violence. Et très jeune, il s'est engagé dans la voie de notre ami. Aujourd'hui, il se trouve à la Chine. Et nous sommes attristés, mais néanmoins, nous sommes aussi contents de la présence de tout ce monde qui est venu nous apporter leur soutien dans notre lutte. C'est ce sentiment que je peux exprimer ici au nom de notre représentation. Au niveau même de la direction du parti, tout le monde sait ce qui est arrivé au parti. Notre président, le président Affine Guessa, il a été arrêté. Toute la direction du parti a été arrêtée, a été mis en prison. Et le souhait normalement de nos détracteurs, en fait, de ceux qui
ont mis le président Laurent Gbagbo en prison. Leur choix, c'était la disparition du FPI. Mais le président Laurent Gbagbo et ses amis, ils ont bâti le FPI sur un sous-bassement en roc. C'est pour cette raison, aujourd'hui, on peut parler toujours du FPI. Autrement dit, le souci était que bon, Gbagbo a arrêté, le FPI a disparu, c'est tout. Parce qu'ils savent la force du FPI. Le FPI, c'est une démocratie, c'est une force. Nous n'utilisons pas les armes, non. Et c'est ça, ils n'ont pas la capacité de mener le combat politique avec le FPI. Donc, leur souci, leur souhait était que le FPI disparaisse. Et voilà, aujourd'hui, malgré ils ont arrêté, le FPI a été... tous les militants en prison, toutes les grosses têtes allées en exil, sur le plan financier, le FPI est séché parce qu'ils se disent que le FPI a une force politique avec les moyens financiers. Ça veut dire que on n'a jamais le temps. Voilà. Mais nous croyons à notre combat démocratique. Nous ne sommes pas les gens de la violence. Le président Laurent Gbagbo nous a appris la démocratie, la lutte démocratique. Et donc c'est ce que nous faisons. C'est ça qui nous anime. Aujourd'hui, vous voyez tout le monde est présent. On n'est pas. Le parti est en marche. Le parti vit. Voilà. Le parti vit. Le président Afin Diessen, lorsqu'il est sorti de la prison, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, il est dans les comme au nord de la Côte d'Ivoire. Chose qui n'était pas facile. Et donc il y a l'espoir. Mais ce n'est pas facile parce que nous sommes opposés à des obstacles. Et ceux qui ne veulent même pas que le FPI existe. Donc c'est tout à fait normal. Mais nous croyons à notre combat démocratique. Nous savons que le FPI, c'est une force. Voilà. C'est pour cette raison que nous sommes là. Et je pense que la preuve est là. Partout en France, vous voyez les Ivoiriens faire des démonstrations en Angleterre, aux États-Unis. Malgré les maigres moyens que nous avons, nous menions le combat. En Côte d'Ivoire, ils ont arrêté toute l'économie de nos leaders. Mais comment ils font? C'est parce qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui croient à notre capacité. C'est pour cette raison, aujourd'hui, on peut avoir ce qu'il y a. Parce que sans les moyens financiers, on ne peut rien faire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais ils nous ont primés de tout ça. Mais il y a des gens de bonne volonté qui pensent que... Ils disent que vous avez volé l'argent du peuple. Je ne sais pas. C'est le voleur qui sait son ami voleur. Mais moi, je ne crois pas un seul instant parce que Gbagbo ne nous a jamais inculqué cela. D'abord, même lorsqu'il a été arrêté, ils ont dit qu'il a détourné l'argent, patati patata. Eux-mêmes, ils ont compris, ils ont constaté qu'il n'y a même pas un rang en Suisse, où eux là même là, ils mettent leur argent. Ils n'ont rien trouvé où Gbagbo aura l'argent. Donc, ils ne nous ont pas appris cela. Ils ne nous ont pas appris cela. Ils savent pourquoi ils ont arrêté Gbagbo, ils savent pourquoi ils ont attaqué le FPI, parce que Gbagbo il mène un combat africain, la liberté, l'indépendance vraie de l'Afrique, l'indépendance vraie de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. Gbagbo ne donne pas 5 francs à quelqu'un pour sauter dans les rues. La preuve, tous les Africains sont mobilisés pour mener son combat. C'est une force politique. C'est une idée. Gbagbo il est tout. Il ne paye pas la conscience de quelqu'un. C'est ça la politique aussi. Pour adhérer à un parti politique, c'est la conviction. C'est l'idéologie. C'est ça. C'est ça qui anime tout le monde. Donc le pays n'a jamais voulu l'argent, quoi que ce soit. Mais Blé Goudé, je ne pense pas que... Blé Goudé, il a dans le même sens que son patron, qui est Laurent Gbagbo. Non, je... Mais effectivement, Blé Goudé, nous avons les échos, et qui se posent d'abord, même, il nous a dit qu'il n'est pas, qu'on s'inquiète, mais il est là, et qu'on est là jusqu'au bout, comme le papa lui a dit, on est là jusqu'au bout. Ils savent très bien que Blé Goudé, il n'a jamais pris une arme. Blé Goudé a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé a même appelé à la mobilisation pour qu'il y ait la paix. Blé Goudé, il a toujours défendu les mains nues, son pays. Oui. Pour une personne, Ouattaro par exemple, ceux qui ont tiré le de Ouattaro, c'est Blé Goudé, il a invité chez lui à la maison, à Yopougon, pour la paix, tout ça. Blé Goudé est allé le chercher à l'aéroport. Donc tout le monde, les gens de bonne foi, les gens qui sont des démocrates, ils savent qui est Blé Goudé. Blé Goudé, il n'a jamais exister quelqu'un. Ils ont peur. Quand tu n'aimes pas un chien, tu dis qu'il a la rage pour l'abattre.
blé goudé, nous avons constaté que depuis la restriction des blé goudé, la jeunesse a été affaiblie. C'est comme si blé goudé qui luttait contre la sensibilisation de la jeunesse. Mais on peut il n'y avait pas des gens qui l'avaient préparé. On peut le constater, mais la jeunesse n'est pas affaiblie parce que quand on avait le président de la jeunesse et le président intérimaire pour, vous avez vu, il a été arrêté à mettre l'église parce que il menait le combat de la jeunesse du pays. En même temps, il menait le combat des jeunes panafricains, qui étaient la base politique de Blé Goudé. La jeunesse ivoirienne est toujours là. La jeunesse ivoirienne, les patriotes, ils sont toujours là. Mais, vous savez, ils ont mis des militaires partout, même dans les villages. Ils empêchent les gens de mener le combat démocratique. Ils arrêtent tout le monde. Même, on a eu des, il y a eu des réunions à Yopougon où ils ont tout cassé. La jeunesse même a fait des meetings. Ils ont tout cassé. Mais ils emploient tous les moyens du monde pour étouffer la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais ça n'y arrivera pas. La démocratie triomphera. La vérité triomphera. C'est ça. Ils emploient tous les moyens possibles pour faire disparaître le FPI. Mais l'UFPI ne disparaîtra pas. L'UFPI est une force politique. Nous n'avons pas les moyens, mais nous avons nos idées. Nous avons notre détermination. On peut aller partout. S'il vous plaît. On peut aller partout. Quand on parlera de l'UFPI, parce que c'est une idéologie. Nous croyons aux idéaux socialistes. C'est ça. C'est ça. Nous ne sommes pas des gens. Des militants qui mentent, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Oui. C'est ça qui fait que les gens, des milliers de femmes et des hommes, se transcendent pour la cause de notre lutte démocratique. Nous menons un combat démocratique. Nous ne faisons pas des réunions pour dire comment nous allons réunir l'argent pour aller acheter des armes. Non, Gbagbo Laurent ne nous a pas appris cela. C'est ça ce qui est notre force. Et c'est ça les gens. Ils ne peuvent pas se mesurer à nous. Et voilà pourquoi ils veulent nous opprimer. Mais ils n'y arriveront pas. Vous avez quand même le soutien on connaît quand même, par exemple, des joueurs, des footballeurs ivoiriens qui ont beaucoup d'argent. Vous avez quand même leur soutien. Non, le sport, c'est une autre chose. Le sport, c'est le sport. Nous ne sommes pas financés par les joueurs. Moi, je ne sais même pas du tout. Nous, on va ici, on a fait le tour de la Scandinavie. Spécialement, on n'a rien jamais reçu d'un joueur. Même, je ne crois même pas, je n'ai jamais été informé que notre parti est soutenu par des joueurs. Si tel était le cas, mais je pense que ce gouvernement n'allait jamais exister. Parce que, dis-moi, nos joueurs, c'est tous des professionnels, c'est des millions qu'ils ont, ils ont de l'argent. Même Drogba seulement. Lui seul, s'il voulait vraiment financer, on aurait ce qu'on aurait eu. Oui. Donc, tu sais, comme je le disais tout à l'heure, quand tu n'aimes pas un chien, tu dis qu'il a la rage pour le battre. C'est tout. Ils n'ont pas d'arguments. La politique, ce sont des arguments. Ce n'est pas une force. La force physique, tout ça, c'est la faiblesse. Il faut discuter. Gbagbo Laurent nous a appris, asseyons-nous et discutons. Et les gens n'ont pas la capacité de le faire. Parce que s'ils osent le faire, ils seront à terre. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui est la force du FPI. Nous, on est ici, on ne reçoit pas de salaire, mais nous avons notre détermination, nous avons notre cœur. C'est tout. Il n'y a pas aucun joueur qui finance le FPI, à ce que je sache. Ils ont dit Gbagbo Laurent a détourné l'argent. Mais ils ont fouillé partout, ils n'ont jamais eu 5 francs de Gbagbo Laurent, il n'a jamais investi quelque part, jamais. Il prend même ses vacances, il va à San Pedro, à Grand Bérébé. Pendant où les gens ils vont en France pour s'asseoir, ils ont des maisons en France, ils n'ont rien trouvé pour Gbagbo Laurent. C'est ça, lui. Et ça, ils ne veulent pas que ça prospère parce que les autres pays vont avoir les yeux ouverts. Et ce n'est pas bon pour eux. L'ami dont la ministre vient de parler, c'est ce que nous vivons ici en Europe. C'est ça. Ça se développe en Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Et si ça se développe en toute l'Afrique, l'Europe n'aura plus de quoi avoir. C'est ça le problème. L'Afrique, c'est un continent très riche. Donc si l'Afrique est ordonnée, l'Europe n'existera plus. C'est ça. Il faut que ça soit désordonné. Et ils emploient toujours le même système. Mais chaque chose a son temps. Et le temps, c'est un autre nom de Dieu. Comme il a dit, ce qui va arriver, arrivera. On aura la victoire. Et la vérité va triompher. Et c'est ça. Je demande à tous les Ivoiriens, à tous les militants, à tous les sympathisants, d'où qu'ils se trouvent, qu'ils croient à notre combat démocratique.
parce qu'on gagnera ce combat. Non, on gagnera ce combat. C'est comme ça. Et vous n'avez pas peur de ce combat parce que nous savons tous que Laurent Gbagbo est un prisonnier politique, si on peut le dire. Mais vous n'avez pas peur de ce combat quand vous avez été ici avec la communauté internationale? Non, vous savez, Gbagbo Laurent, il a dit, dès l'âge de 18 ans, lorsque je me suis engagé en politique, j'ai signé ma mort, mon contrat de mort avec Dieu. Et celui qui a me fait du mal, celui qui a des problèmes. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Parce qu'ils l'ont mis à la haine, ils ont des problèmes. Et ils voient la justice et la vérité va triompher. C'est ça le problème. Et donc, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes là, ben, on ne se reproche rien. Moi, je ne me reproche rien. Je ne fais que la démocratie dont ils ont instauré. Ils disent que ce sont les pères de la démocratie. C'est la démocratie que nous faisons. Nous, on ne fait pas des réunions pour acheter des armes, on va aller abattre les gens. Non. C'est un esprit démocratique que nous exprimons. Donc moi, personnellement, et avec tous mes amis qui concourent à notre lutte, personne n'a peur de ça. Mais dans le même temps, ce qui va t'arriver arrivera. Il n'y a rien, il n'y a personne qui est au-dessus de la force suprême. Et donc, s'il était dit que moi, ma modeste personne, que les gens dont ont besoin les gens, pour qu'ils soient heureux, mais ils sont libres. Parce que je ne suis qu'une minorité de personnes, je ne suis rien. Ils ne gagneront rien à m'enlever la vie. Mais si tel était le cas, ça veut dire que c'était ma destinée, c'était mon destin. Donc, ce n'est pas ça qui va m'effrayer. J'y crois aux idéaux socialistes. Et aussi longtemps que j'y crois aux idéaux socialistes, il n'y a rien qui m'arrêtera. Parce que je ne mens pas. Tout ce que je le fais dans la croyance, dans la détermination, dans la loyauté. Je ne mens pas à quelqu'un, je ne dis jamais à quelqu'un, il faut venir au FPI parce que nous avons de l'argent à te donner. Non, c'est tout. Donc il n'y a pas de peur. Quel est le message que vous envoyez à tous les joueurs ivoiriens qui ont beaucoup d'argent, les musiciens ivoiriens qui ont soutenu Laurent Gbagbo lors de sa campagne électorale, qui ont beaucoup d'argent? Quel est le message que vous voulez envoyer? Mais moi, je ne peux pas envoyer des messages aux joueurs et aux musiciens. Non. Je n'ai pas besoin d'amener ce message parce que cela veut dire que je crois et je pense, je suis certain, je suis témoin que ces hommes-là, ces deux particularités que vous venez de décider, ils ont effectivement financé. Ils ont financé la campagne. Je ne peux pas comprendre. Je ne crois pas qu'ils ont. Ils ont le combat. Ils l'ont soutenu seulement. L'argent de Laurent Gbagbo. J'en viens. Vous savez, les joueurs, les musiciens, c'est des êtres humains. C'est des Ivoiriens. Le FPI, c'est un parti politique organisé. Et en plus, pour aller aux élections, c'est le parti qui dégage ses moyens. Vous savez, en politique même ici en Suède, il n'y a pas de financement étranger. Ça n'existe pas. Il y a le pays qui finance des partis politiques qui sont officiellement reconnus. C'est cela. Le pays dégage un certain fonds pour pouvoir aller aux élections, mettre les idées. Mais lui, la musique, c'est très important. Mais je veux dire que les musiciens et les joueurs, ils n'ont rien à foutre dans la politique. Ce n'est que des athlètes civils. Voilà. Mais moi, maintenant, si je suis là et que quelqu'un, vous voulez me donner de l'argent parce que vous pensez que je suis ceci, cela, mais il n'est pas. C'est pas parce que vous me donnez de l'argent pour aller faire quelque chose. Non. Mais je ne peux pas vous dire maintenant, je ne suis pas témoin, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu quelque part que les joueurs ivoiriens, les musiciens ivoiriens ont financé la campagne de Laurent Gbagbo. Non, pas du tout. Mais je vais vous rappeler une chose, madame. Vous savez, au temps du président Félix Tshisekedi, au temps du premier président, lorsqu'il n'y avait pas encore le multipartisme, et on a lutté jusqu'en 90, au 30 avril, on a eu l'indépendance, on a eu le droit d'aller au militaire pour une élection pluraliste. Ils ont soulevé tous les moyens possibles
pour empêcher Laurent Gbagbo d'aller aux élections. Oui. Le même jour, ils ont demandé, ils se sont réunis à l'Assemblée pour que le candidat contre Oufou-Boigny dégage 20 millions sur place. C'était demain, ce n'est pas prévu. Mais la population, le peuple qui était déterminé au multipartisme à mettre fin, ils se sont mobilisés comme un seul homme et aller payer la cotisation de Gbagbo Laurent. Et il a été candidat contre Oufou-Boigny et le mythe de Dakar. Et donc c'est comme ça, il a lancé un message, allez-y prendre votre victoire. Mais dans la démocratie, et le peuple est sorti comme vous l'avez posé tout à l'heure comme question. C'est parce qu'ils croient à la lutte démocratique de Gbagbo Laurent. Autrement dit, il n'a pas besoin, il peut aussi les armer, il peut aller les financer pour aller acheter des armes, tout et tout. Mais ce n'est pas son idéologie. La preuve, on a Dapouri, il y a des gens qui voulaient la violence. Gbagbo n'a pas voulu jamais. Et Dapouri, c'est son frère, mais il s'est joint aux rebelles. Voilà. Pour combattre Gbagbo Laurent sur le plan militaire. Voilà. Donc c'est comme ça. Gbagbo, c'est la démocratie. Et moi, je vous remercie beaucoup. Je vous dis, grâce à vous, si la voix du pays peut couvrir toute la Scandinavie, le message que je lance à l'endroit de tous ceux qui croient au combat du FPI, qu'ils y arrivent pour prendre en main l'enfant que Gbagbo Laurent a mis au monde, qui est en train de pleurer. Il a son enfant, on lui arrache, on lui va en prison, et puis il regarde derrière, son enfant est en train de pleurer. Et il est déjà, nous qui croyons que oui, non, il n'est pas seul, qu'on se mette ensemble, la main dans la main, pour que ce garçon, cet enfant-là, puisse survivre. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas mon combat. Voilà. Et on ne vient pas au FPI à cause de Gbagbo Laurent. On vient au FPI à cause d'une idéologie socialiste dont on estime qu'on s'y reconnaît. C'est une maison qu'on a ouverte. On devrait entrer dans la maison. Si je pense que dans cette maison, il n'y a pas mon intérêt, je n'y rentrerai pas. Voilà, c'est comme ça. Et donc, celui qui vient au FPI, celui qui croit au combat de Gbagbo Laurent, il y arrive, mais il n'arrive pas au nom de Oku qui représente le parti. Non, c'est un cahier de roulement que je détiens. Oui, je ne suis qu'un passant. Ensemble, la main dans la main, nous allons conduire le FPI au débat pour que la vérité triomphe, pour que le multipartisme, l'indépendance est vraie de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire puisse être une réalité. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Merci, madame. C'est vous que je remercie. Au nom de toute la représentation. Bonjour, madame Mélissa. Elle est présidente de femmes de FPI à Stockholm. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci, bonjour. Madame, comment vous vous êtes organisée ici à Stockholm? Enfin, au niveau de Stockholm, jusqu'à présent, c'est quoi, j'aimerais vraiment faire un appel à toutes les femmes, parce que là, on a besoin de toutes les femmes africaines, pas seulement les Ivoiriennes. On doit s'élever pour l'Afrique. Nous, les femmes, nous sommes les mamans. Alors, c'est la maman qui décide, c'est la maman qui donne la bénédiction. Et nous avons besoin de travailler pour l'Afrique, nous avons besoin de travailler dans l'amour et la paix. Donc pour l'instant, nous avons commencé un peu, nous allons contacter toutes les autres femmes. Et puis nous allons tenir une réunion avec les femmes. Et ainsi de suite, nous en discuterons de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des activités que vous faites ou bien comment vous vous organisez? Oui, pour l'instant, nous n'avons pas commencé les activités puisque nous n'avons pas contacté toutes les femmes. Et c'est maintenant que nous allons commencer le travail. Alors, je demande à toutes les femmes de venir, toutes les mamans, de venir, qu'on se tienne la main, dans la paix, l'amour et la réconciliation, qu'on reconstruise l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être reconstruite, l'Afrique a besoin d'amour et de paix. Nous n'allons pas tout le temps s'entre-déchirer entre nous. Alors nous devons travailler ensemble et faire des activités ensemble. Vous faites appel à toutes les femmes africaines? Non, je ne pas seulement faire appel aux femmes ivoiriennes. Parce que là, on parle de toute l'Afrique, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est en guerre, il y a beaucoup de pays qui sont en guerre.
Alors, c'est mieux qu'on travaille tout ensemble, parce que qui dit la Côte d'Ivoire dit le Congo, dit le Cameroun, dit le Nigeria. Alors, je pense que nous sommes toutes unies, nous sommes toutes des femmes. Alors, des moments, alors, c'est pourquoi je fais appel à toutes les femmes. Voilà. Alors, si une femme vous suivez, que vous contactez, oui. Quels sont vos numéros de contact, comment elles vont vous contacter? Vous avez des horaires ou bien vous avez planifié votre calendrier ou comment? Oui, en fait, le calendrier, il n'y a pas de problème. J'ai le contact de la CPTEC qui est là. Et puis, je donne aussi mon contact. Je ne sais pas si je peux donner le contact maintenant, qui est le 073-664-9312. Et de me contacter en cas d'information, et en cas de beaucoup de choses, de renseignements et de tout. Et comme ça, nous pourrons travailler tout ensemble. Merci beaucoup, Madame Mélissa. Je rappelle, elle est la présidente de femmes de FPI à Stockholm. Vraiment courage. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Je sais que vous avez été nombreux branchés sur votre petit écran sur www.labdc.com. Restez toujours branchés et vous ne serez pas dessus. Au revoir et à la prochaine. Je remercie l'équipe qui a été à la technique. Arman qui a été à la caméra, il est vraiment génial. Au revoir et à la prochaine. En fait, c'est ça l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Dieu le Père tout-puissant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jesus, le le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. Contre le président, il fallait tout inventer. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. Il a tué les femmes au marché d'Apollo. Après 2 ans, oh yeah, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. Asso.com, le doigt de Dieu. Dans ce cas périlé, on sait plus comment on fait. Communauté nationale, communauté internationale. La honte a cassé des yeux, la honte a déshonoré. La honte a brisé les cœurs, mais ça n'a jamais tué. Oh, hey. Alors, libérez Gbagbo, Gbagbo Laurent, le midi de maman. Libérez notre président, oh yeah. Il est innocent, si tu n'as rien trouvé. Pour libérer Gbagbo, libérez notre président, oh yeah. Tu l'as arrêté, tu l'as accusé, oh. Tu n'as plus de preuves. Pour libérer notre président, oh yeah. Choquant, libérez, choc. Libérez Gbagbo Laurent. Choisi la guerre.
galère à mon nom. Je n'ai jamais vu ça, jamais vu ça. Aïe, une violée, elle fait son violeur. Je n'ai jamais vu un peuple adorer son bourreau. Je n'ai jamais vu Stéphane qui prie, je n'ai jamais vu, oh yeah. Je n'ai jamais vu dictateur aussi aimé, oh. Je n'ai jamais vu ça. Un pays réclamé sous tyran. Ce que tu dis de mon président, c'est différent de la vérité. La diaspora. Si tu ne m'entends pas, les va tomber à mon message. Quand tu parles de démocratie, tu parles de Pago Laurent. Maman, si tu parles de réconciliation, tu parles de Pago Laurent. Quand tu parles de tolérance, tu parles de Laurent Gbagbo. Si tu parles de gouvernance, tu parles de Koudou Gbagbo. Bichard. Libérez Gbagbo. Africa, où es-tu? Où es-tu? Tes enfants sont enlevés. Faut libérer notre président, oh yeah. Si tu tiens, tiens, bravo. Toi-même tu sais qu'il a rien fait. Mon fang babo hola oh. On veut Gbagbo. C'est Gbagbo ou rien. On veut Gbagbo. Sortez Gbagbo, c'est tout. On veut Gbagbo. Tu sors Gbagbo, moi je te donne la paix. On veut Gbagbo. Tu veux l'union, mais où est notre Gbagbo? On veut Gbagbo. Réconciliation, c'est pas sans Gbagbo. On veut Gbagbo. Si tu veux causer, faut sortir Gbagbo. On veut Gbagbo.